Bonjour déjà Fatima et Assa. Bonjour. Fatima, je voulais commencer avec toi. On parle de la réouverture des écoles début mai. Le président Macron a fait son discours là-dessus. T'écrivais récemment sur Twitter, école ouverte égale retour forcé. Tu voulais dire quoi par là? Ce que je voulais dire, enfin, je réagissais au discours, au énième discours du gouvernement, et notamment à travers la parole de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. En fait, qui a tenu son petit discours et grosso modo, rien n'était prêt en fait en termes de déconfinement et puis surtout de conditions de sécurité pour que le déconfinement se passe bien. Et en fait, je voyais sur les réseaux sociaux en fait des parents considérer qu'en fait Blanquer n'était pas rassurant, qu'il n'était pas rassurant. Ils se demandaient dans quelle mesure du coup ils n'envoyaient pas leurs enfants. Et en fait, moi, ce que je disais aux parents, c'est qu'en fait, je pense, moi, c'est ma petite hypothèse, que le gouvernement ne cherche pas à rassurer tous les parents. D'ailleurs, aucun parent en réalité. Ce qu'il veut simplement, c'est qu'une partie des parents se sentent obligés d'envoyer les enfants à l'école parce qu'ils doivent reprendre le travail. Et d'ailleurs, ils ne comptent pas sur l'État, l'Éducation nationale pour mettre une pression sur les parents. En réalité, ils comptent sur ce sous-marché du travail, donc les employeurs, en fait, pour mettre la pression sur les parents qui, du coup, n'ont pas la possibilité de dire « mais je ne peux pas venir travailler, me déplacer, etc. » puisque j'ai mes enfants à la maison. Là, évidemment, cette excuse, entre guillemets-là, ne marchera plus. Ils seront obligés d'envoyer leurs enfants à l'école. Et donc, voilà, je réagissais au fait que le gouvernement ne rassurait pas. Moi, je pense qu'il y a une stratégie derrière, que lorsque Jean-Michel Blanquer parle de petits groupes en termes d'organisation, en réalité, rien n'est prêt, rien n'est organisé. Enfin, moi, je parle avec beaucoup d'enseignants et d'enseignantes, et ils me disent que rien n'est prêt en la matière. En réalité, les petits groupes en question, c'est les petits groupes d'enfants dont les parents n'auront pas eu le choix. Moi, je pense que c'est comme ça que l'éducation nationale cherche à gérer ce déconfinement, entre guillemets. Voilà, et ça montre à quel point on est vraiment dans une continuité des inégalités, en fait, que fait perdurer le gouvernement. Il ne cherche pas du tout à gérer le confinement et le déconfinement en fonction, en fait, de la classe populaire, celle qui subit le plus et le coronavirus et le confinement. Pas du tout. Il cherche simplement, en fait, à gérer, en fait, les tensions sur le marché du travail et puis la question de la croissance économique, etc. Et en parlant on a beaucoup parlé de continuité pédagogique aussi. Du coup, en France, parce qu'en Belgique, ce n'est pas tout à fait le cas, il y a des devoirs à faire à la maison, etc. En quoi et comment ça a renforcé, et ça va renforcer les inégalités, ça aussi? Alors, comme par rapport à ta question précédente, pardon, moi je pense il y a effectivement la gestion inégalitaire du pouvoir en place, bon, en l'occurrence de l'État Macron, qui renforce effectivement les inégalités, mais en même temps, on a envie de se dire, c'est pas parce qu'il y a le coronavirus et qu'il y a tout à coup cette pandémie que les inégalités vont s'arrêter. Bon, évidemment que les inégalités, elles existent massivement depuis des décennies, voire plus en réalité. Donc, bon, il n'y a pas de raison que par miracle, tout à coup, elles s'arrêtent. Donc, les inégalités, en fait, en réalité, elles étaient déjà là et elles étaient structurelles et elles étaient monstrueuses en réalité, ces inégalités. Enfin, les inégalités, notamment scolaires, elles sont phénoménales, elles sont massives. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait comment dire, un renforcement spectaculaire des inégalités. Et puis, alors, je fais le lien aussi avec ta question précédente parce que moi, je pense qu'à un moment donné, dénoncer les inégalités, ça va vraiment nous épuiser psychiquement. Je pense, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que citoyen, citoyenne dans ce pays, ça va nous épuiser. Et à un moment donné, on peut constater effectivement que l'État Macron gère de manière inégalitaire cette crise, entre guillemets, mais on peut aussi se dire que le fait que nos enfants n'aillent pas à l'école pendant un moment, ça peut aussi leur faire du bien, parce que parfois l'école, ce n'est pas non plus un lieu d'épanouissement, etc., etc. Il se trouve qu'on le dit par ailleurs, on dit que l'école, voilà, peut aussi créer comme ça la stigmatisation, de l'humiliation, etc. Donc peut-être que pour nos enfants, une partie de nos enfants, ça peut faire du bien aussi de faire une petite coupure aussi avec l'école. Et puis, pour faire encore une fois le lien avec ta question précédente, moi je pense que cette histoire de déconfinement et d'inégalité, il faut pas la voir uniquement dans un rapport de force avec l'État Macron, avec le gouvernement, avec les institutions. Il faut aussi que nous, en tant que parents, on se dise en quoi c'est l'occasion-là de faire autrement et de faire autre chose sans attendre 20h02 que la parole du Messie Macron nous parle sur, ou alors de Blanquer, nous parle sur l'école. Et par exemple, sur le déconfinement, nous, on est en train de s'organiser au sein du front de mer pour voir dans quelle mesure on ne peut pas, nous,
organiser notre propre déconfinement, en fait, avec nos enfants. Parce qu'il y a bien un moment donné, nos enfants, il faut qu'ils sortent, en fait. Surtout dans les quartiers populaires, on n'en peut plus. Il faut qu'ils sortent. Moi, je ne suis pas contre le déconfinement, pas du tout. Hein. Et y compris le 11 mai, en fait. Moi, c'est vraiment la question des conditions, en fait, du déconfinement. Mais les conditions, elles ne viennent pas du ciel, elles ne viennent pas d'en haut. Il faut aussi que nous, on puisse se dire, ben voilà, comment on peut faire. Là, par exemple, on est en train d'organiser avec nos enfants, je le dis, on sort. Et on les met en cercle. Voilà, et puis il y a des distances, voilà, la distanciation, la fameuse distanciation sociale, la distance de sécurité, mais nos enfants se parlent, ils commencent à jouer ensemble, etc., parce qu'ils en ont marre de voir nos vieilles têtes, et ils ont besoin de se voir les uns les autres, y compris les camarades de classe d'ailleurs. Et donc voilà, c'est dans quelle mesure on se réapproprie cette question, en fait, de l'école, mais en réalité de l'éducation et de la transmission, et dans quelle mesure nous, on crée des conditions, nous-mêmes, du déconfinement, de notre point de vue, de classe populaire et de quartier populaire. Merci. À ça, je voulais venir à toi, en fait, pendant les premières semaines de confinement, quand le confinement a été annoncé, plus de 10% des verbalisations furent dressées en Seine-Saint-Denis, alors qu'en même temps, il y a 2 millions plus de Français qui en avion, en voiture, en train, sont partis vers leur lieu de vigiliature, à la BOM, etc., sans aucun souci. Comment s'est pris ce genre de choses dans les quartiers populaires ? Bah. C'est que ce qu'on va exiger aux personnes des quartiers populaires, on n'aura pas la même exigence pour les autres. Et comme Fatima le disait, hein, tous les problèmes d'inégalité sociaux sont là depuis bien longtemps, ils sont là depuis bien avant, et on ne peut pas demander du jour du déconfinement de le gommer. Quand on parle de discrimination, on parle de toute forme de discrimination, c'est la discrimination aussi au logement, aussi à l'emploi. Il faut savoir que ce confinement-là va apporter d'énormes problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons toutes ces personnes issues des quartiers populaires, les personnes qui sont en grande précarité, et on va leur dire, voilà, mettez vos problèmes à côté, mettez-les dans un sac et on les réouvre après le déconfinement. Mais en fait, ce n'est pas possible. Et en fait, il faut faire avec. Sauf qu'on aurait aimé que tout le monde ait une super grande maison à la campagne, puisse partir, puisse prendre l'avion. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et il y a une réalité, la réalité, elle est là. Mais sauf que nous avons un gouvernement, nous avons un État qui, depuis bien avant, ne prenez pas en considération, en tout cas en premier lieu, toutes ces inégalités. Donc oui, si je l'avais dit, hein, que je le redis, les policiers et les gendarmes, quand le confinement a commencé, c'est comme si qu'ils étaient, on leur avait dit, vous êtes dans un parc d'attraction, allez-y, lâchez-vous, amusez-vous, et c'est ce qu'ils ont fait. Et les quartiers sont ciblés, les populations sont ciblées. Pour les hommes, ça n'a pas changé, mais ça a encore accentué. Et dans ce déconfinement-là, on peut parler aussi des agressions faites aux femmes. Énormément de femmes ont été victimes de violences policières, ont été frappées, ont été humiliées dans leur intégrité, dans leur féminité, dans leur sexualité, dans tout. Et elles ont subi tout ça parce qu'une mère de famille qui va acheter du lait ou qui va faire des courses pour son enfant et qui rencontre la police, oui, elle va se faire tabasser, oui, elle va se faire frapper. Et ces attestations-là qui vont donner un droit à la violence, une grande impunité que ces policiers vont utiliser. Aujourd'hui, on demande de respecter le protocole sanitaire. Bien évidemment, il faut le respecter pour la santé de tous. Mais aujourd'hui, nous avons un protocole sécuritaire qui n'est pas respecté. Nous avons un protocole sécuritaire où nous, on se sent en sécurité, où nous sommes en danger. Et on va exiger aux gens des quartiers populaires ce qu'on ne va pas exiger aux autres. Et en fait, c'est ce qu'on dénonce depuis toujours. C'est que nous, on doit faire doublement. On doit faire plus que les autres. Et en fait, ça, ce n'est pas normal. Pourquoi on devrait prouver et faire plus que les autres? Et si on ne le fait pas, on se fait réprimander tout de suite. Et ça, non, ben, ça s'appelle la liberté de circuler. Quand je dis que nous ne sommes pas considérés comme pouvant participer à la construction de ce monde, nous ne sommes pas considérés comme pouvant participer à la construction de cette France, et nous ne sommes surtout pas considérés comme pouvant participer à la construction de notre propre vie. Et là, on le voyait et on le voit encore plus pendant ce confinement-là, c'est qu'en fait, on n'a pas de valeur, on n'a aucun respect, on n'est même pas considéré comme pouvant participer à la construction de cette France à travers ce virus, à travers ce confinement-là. C'est-à-dire que nos paroles et nos actes n'auront aucun acte parce qu'en fait, ils s'en foutent complètement. Et il y a cette liberté de circuler aussi. Donc certains ont un droit de liberté de circuler que nous, nous n'avons pas. Je veux revenir sur l'affaire de mon frère. Hein, mon frère a été tué le 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire. Il faut savoir que mon frère, ce jour-là, va subir un contrôle au faciès. Mon frère va mourir parce qu'il n'a pas sa pièce d'identité. Mon frère va mourir parce qu'il n'a pas ce bouclier, ce gilet pare-balles.
Et il faut surtout rappeler l'histoire de France. Et en fait, c'est ce qui nous fait défaut encore aujourd'hui. C'est cette histoire non dite, cette histoire pas assumée, où on en subit les répercussions et les conséquences directes. Aujourd'hui, quand mon frère va mourir, il faut savoir que le passeport français a été créé pour l'esclave noir. Et quand l'esclave noir sortait dans la rue, on avait le droit de l'abattre, on avait le droit de le tuer. Mon frère va mourir ce jour-là parce qu'il n'avait pas ce bouclier, parce qu'il n'avait pas ce document-là. Et aujourd'hui, dans ce confinement-là, ce passeport-là, cette attestation-là donne un droit à ces policiers pour les tabasser, pour les tuer. Mais quand on fait le lien directement avec l'esclavage et la colonisation, ben en fait, c'est ça. Et c'est important de faire le lien à chaque fois avec l'histoire de France. C'est ce que la France ne nous a pas dit, ce que la France a fait subir à cette population, à toute cette population racisée. Ben aujourd'hui, on est dedans directement, encore malheureusement. Je voulais continuer avec toi à ça, du coup, par rapport à l'histoire de ton frère Adama et par rapport aussi à ce qu'on voit en ce moment dans les quartiers populaires parisiens, mais aussi à Toulouse et autre part. Souvent, on nous dit, les gens qui ne connaissent pas la situation, dit oui, mais le gars, les flics sont arrivés, le gars est parti en courant. Pourquoi il est parti en courant? S'il était resté, tout se serait bien passé. Alors, je voulais te poser cette question, en fait. Pourquoi aujourd'hui, dans les banlieues et les quartiers populaires, quand on voit la police, on part en courant? Déjà, moi, j'aimerais dire, les gens qui posent la question pourquoi il est parti en courant, ils sont qui, eux, pour se poser cette question-là? Ils ont quelle légitimité? Ils ont quelle place dans nos quartiers pour se dire et quel jugement ils ont apporté, cette question à laquelle valeur en tout cas pour eux et de quel droit ils se permettent de dire pourquoi il a couru. Ben moi j'ai envie de leur dire pourquoi quand vous voyez la police vous ne courez pas. En fait la question elle est là, c'est pourquoi quand eux la voient ils ne la courent pas parce que le traitement n'est pas le même, le traitement est inégalitaire. Et en fait nous quand la police, quand ces jeunes personnes, ces jeunes hommes ou les personnes de quartier croisent la police et les gendarmes, en fait la police et gendarmes sont représentatifs de danger tout de suite. En fait, la question, c'est dans l'autre sens. Tu sais, quand on va faire le livre, le deuxième livre, Combat Adama, j'ai écrit la phrase « Mon frère est mort parce qu'il était noir ». Et on m'a dit à Assa Traoré, cette phrase, c'est un peu trop de dire ça comme ça. Je leur ai renvoyé des questions. Si le 19 juillet, ça avait été le corps d'un homme blanc, est-ce que le corps d'un homme blanc aurait pris 250 kilos? Est-ce que le corps d'un homme blanc serait passé devant un hôpital sans qu'on lui apporte un secours? Est-ce que le corps d'un homme blanc aurait été jeté dans une cour de gendarmerie sans que les militaires, il faut savoir, qui sont censés sauver toute vie humaine, n'ont pas lui apporté un secours? Est-ce que le corps d'un homme blanc, sa mort aurait été déclarée à 19h05 dans une cour de gendarmerie le jour de son anniversaire? La réponse, elle est non. Parce qu'en fait, le traitement, il n'est pas pareil. Nous, quand on est des personnes de quartier, quand on est un noir, quand on est un arabe ou personne racisée, bien évidemment, tout de suite, la violence, elle sera puissante. Et dans notre affaire, je tiens à préciser que les avocats, les gendarmes, leur avocat, c'est Marine Le Pen. Donc, nous avons des policiers, des gendarmes qui sont extrêmement racistes. Un raciste face à un noir, face à un arabe, ça va à la chasse à l'arabe, ça va à la chasse aux noirs, ça va à la chasse aux personnes racisées. Donc oui, on court pour sauver nos vies. Oui, on court parce qu'on a envie de vivre. Oui, on court parce qu'ils n'ont pas de droit de mort sur nos vies. Oui, on court parce qu'on a des familles. Oui, on court parce qu'on a une vie à continuer. Mais comme on n'est pas considéré comme pouvant participer à la construction de notre propre vie, donc on n'a même pas de droit de vie sur nos morts. Fatima, je voulais enchaîner par rapport à... On stigmatise souvent ces quartiers, le 9-3, etc., et on oublie de dire qui peuple ces quartiers. En ce moment, je sais pas, je pense que c'est le cas aussi en France, à 20h, on applaudit pour les aides-soignants, etc., mais aussi pour les gens qui travaillent encore aujourd'hui. Et j'ai l'impression, moi, que c'est grâce à ces gens des quartiers qu'on vit et qu'on tourne en ce moment, non? Oui, complètement. Après, alors moi, je suis un petit peu j'ai un avis un peu mitigé par rapport à cette reconnaissance en fait vis-à-vis des, enfin reconnaissance relative hein, vis-à-vis des caissières, des livreurs, des soignants, etc., des aides-soignantes notamment, des aides-soignants. Mitigé parce que j'ai un peu l'impression que c'est un peu le propos qu'on a vis-à-vis dans les cours d'histoire, dans les médias, au cinéma, etc., vis-à-vis des tirailleurs sénégalais, qui n'étaient pas que sénégalais, mais voilà, les tirailleurs sénégalais, ou alors les ouvriers qui seraient venus reconstruire la France. Enfin, il y a comme ça un rapport aux immigrés et à leurs descendants où, en fait, on ne les reconnaît que lorsqu'ils sont utiles.
lorsqu'ils apportent quelque chose, en fait. Et là, on les reconnaît. Mais regardez, ils servent à quelque chose. Ils nous ont aidés pour nous libérer de l'Allemagne nazie. Regardez, ils servent à quelque chose. Ils ont reconstruit, c'était eux qui étaient dans le bâtiment, etc. Ils ont reconstruit la France. Regardez là, ils servent à quelque chose puisque nous sommes, nous, en insécurité sanitaire et ils nous aident, ils balayent les rues, ils nettoient les toilettes, etc., etc. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui ne me plaît pas. En tout cas, ça ne me satisfait pas au sens où moi, ce que je veux qu'on regarde surtout, moi j'aime beaucoup les chiffres, donc ce que je veux qu'on regarde, c'est, ok, je veux bien qu'on parle de solidarité, mais pas dans l'inégalité, en fait. Je veux qu'on parle des salaires notamment, c'est-à-dire la reconnaissance à 20h et puis les gens qui applaudissent, c'est une chose, mais quid des salaires, c'est-à-dire de la valeur sociale que l'on donne aujourd'hui et demain, la valeur sociale que l'on donne à ces gens qui sont utiles, entre guillemets. Et ça, je sais très bien que c'est là que le bas blesse et c'est là que le bas va blesser en réalité. C'est-à-dire qu'applaudir et puis nous mettre des douilles en réalité pour dire oui, si, vous êtes utile, etc. Ok, et encore, c'est relatif, pas tout le monde. Mais ensuite, quand il faudra parler, quand il faut parler de oui, mais du coup, qu'est-ce que ça vaut socialement et qu'est-ce que ça vaut en termes de responsabilité, en termes d'honneur, en termes d'argent aussi, en termes de revenus, pour que nous aussi on puisse avoir une vie convenable, qu'on puisse éduquer nos enfants dans de bonnes conditions, etc. Là, tout à coup, il n'y a plus personne et plus personne ne parle de cette question-là, en fait, de la redistribution, la question de l'égalité. Encore une fois, la solidarité, oui, mais pas dans l'inégalité. Là, je pense que les gens aujourd'hui qui vont au front, c'est l'expression qu'on utilise, contre le coronavirus, contre la maladie, etc., en réalité, ils ne choisissent pas de le faire. Ils sont obligés. Il faut voir le 93, c'est de l'intérim, hein, le 93. Si aujourd'hui, c'est explosif dans le 93 et dans d'autres quartiers populaires en France, c'est parce qu'en fait, nos emplois, essentiellement, c'est un sous-marché du travail. On n'a pas le choix que d'aller travailler. C'est soit l'intérim, soit voilà, on prend le risque de se faire licencier abusivement en 2 secondes, soit c'est du CDD, etc. C'est des contrats très précaires sur un sous-marché du travail. Précaire, donc on n'a pas le choix que d'être solidaire, entre guillemets. Et c'est ça qu'il faut remettre en question. Donc c'est vraiment, moi je veux qu'on revienne à la question de l'égalité, plus que de la question de l'utilité, voire même de la solidarité. Donc voilà, moi je suis très, très mitigée par rapport à ça. Et pour moi, il y a une question qui n'est jamais posée lorsqu'on parle des quartiers populaires, et ça vraiment, je ne suis pas étonnée, mais c'est quand même quelque chose qui me choque. C'est la question qu'a évoquée tout à l'heure Assa, la question des libertés publiques. En particulier, Assa, tu parlais de la liberté de circuler. On a l'impression qu'en France, en fait, il y a un monde qui s'interroge par rapport à ces libertés fondamentales, de manière plus ou moins théorique, philosophique, etc. Parce que souvent, c'est des gens qui, bon, ils sont confinés, mais alors il faudrait pas avoir, enfin, il faudrait trouver un autre mot pour le confinement, hein, parce que c'est pas la même chose, évidemment, d'être confiné sur l'île de Ré, face à la forêt, face à la mer, dans le sud de la France, etc. Et d'être confiné, bon, dans du béton, dans des densités de population qui sont extrêmes, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est des personnes, un monde où on est confiné, on s'interroge sur le danger, les atteintes aux libertés fondamentales, notamment aux libertés, liberté de circuler, de manifester, de s'exprimer, etc. Et puis, alors, pour les quartiers populaires, c'est uniquement, dans le meilleur des cas, la question des inégalités, la question de la solidarité, etc. Dans le meilleur des cas. Et puis, cette question que tu évoquais tout à l'heure de l'utilité, mais regardez, ils sont utiles, finalement, et c'est pas des moins que rien, c'est pas des vauriens, ils servent à quelque chose. Bon, non, non, dans les quartiers populaires, on a aussi à l'esprit nos libertés fondamentales. Moi, ce qui m'a le plus stressé, ce qui m'a le plus mis dans une situation de sidération, presque d'effroi au début du confinement, mais comme beaucoup de gens que je connais dans mon entourage, donc c'est quartier populaire et classe populaire, c'est les atteintes à mes libertés fondamentales. C'est le fait de ne pas pouvoir circuler librement dans la rue, en sachant qu'on fait partie de ces populations qui sont déjà assignées à résidence. C'est-à-dire qu'on est déjà entravé dans notre circulation parce qu'on est issu de l'immigration. Alors moi, je ne suis pas née en France, donc moi, j'appartiens à cette population qui a circulé, qu'on a tenté d'entraver dans sa circulation, dans sa liberté de circulation, ça c'est une chose, mais on fait aussi partie de cette population dont les frères, les fils, les pères, etc., sont entravés dans leur liberté de circulation. Donc c'est cette question-là, en fait, qu'il faudrait aussi poser. Enfin, pour moi, d'ailleurs, c'est la question fondamentale. Et je pense que c'est ça qui va beaucoup impacter la suite. C'est-à-dire qu'on a affaire quand même à une société à travers son, et un État qui, à travers son bras armé, la police, va prendre comme ça l'habitude de nous demander de sortir un petit papier ou alors notre smartphone pour savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on a dans notre sac de course, qu'est-ce qu'on va acheter, est-ce que c'est légitime d'aller acheter ça, est-ce qu'on a le droit de sortir à 20h ou à 22h comme à Nice, je ne sais pas si tu as vu, mais à 20h tu peux sortir lorsque t'es riche, tu t'arrêtes de sortir quand t'es pauvre, enfin, c'est vraiment une discrimination légale, enfin, c'est la loi qui accompagne cette discrimination dans la liberté de circuler. Enfin, voilà, moi,
ce qui me fait peur, et là où je pense il faut travailler, pour ce qui nous concerne quartier populaire, classe populaire, c'est sur les libertés publiques aussi, comme sur la question de l'égalité, comme je disais tout à l'heure. Et ça, c'est jamais évoqué. Tu vois, donc voilà, moi je veux qu'on parle de ça aussi. C'est pas parce qu'on est pauvre, c'est pas parce qu'on est arabe, c'est pas parce qu'on est noir, c'est pas parce qu'on est classe populaire que nous on n'a pas de liberté publique, qu'on n'a pas de liberté fondamentale et qu'on s'en soucie pas. Voilà, il se trouve qu'on s'en soucie, on est plutôt en panique là-dessus et voilà, je pense que c'est aussi ça qu'il faut poser. Je voulais terminer, je vais terminer par toi, ça. Si tu dois y aller d'ailleurs après, tu peux aussi te déconnecter de la réunion et je finirai avec Fatima. Je voulais qu'on parle de solidarité parce qu'en fait, ces quartiers populaires sont clairement abandonnés de l'État, mais à l'intérieur même de ces quartiers populaires, il y a une énorme solidarité entre gens, entre voisins qui se créent. Il y a des associations, je sais qu'il y a une qui s'appelle Culture Island à Saint-Denis par exemple, il y en a plein d'autres. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de solidarité du coup dans les quartiers? Encore une fois, c'est comme... Tu sais, il y a un moment où il y a eu les jeunes de quartier, de les balayer en bas de chez eux et qu'on a félicité, qu'on les a valorisés, on les a envoyés en vacances. Mais en fait, est-ce que ça se passe comme ça dans les autres quartiers, dans le 15e ou dans le 16e? Est-ce qu'on mérite, c'est parce qu'il faut qu'on fasse ça pour qu'on mérite d'avoir quelque chose? Et en fait, cette solidarité-là, la vraie question, c'est qu'il ne devrait pas. En fait, la solidarité dans notre quartier, elle a toujours été. Toujours, depuis la nuit des temps, la solidarité, ce n'est pas un problème. Et en fait, ce n'est pas les médias, ce n'est pas l'État qui va venir valider la solidarité qu'on fait chez nous. Et en fait, il ne devrait pas avoir ces solidarités qui se mettent en place normalement. Parce que normalement, la solidarité, le travail de l'État aurait dû être fait depuis toujours. La solidarité, elle c'est parce que l'État ne fait pas son travail correctement, parce que l'État est défaillante. Et parce que l'État laisse une de ses populations dans une grande précarité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand le confinement il va commencer, les problèmes ils sont là depuis toujours. Et on ne peut pas demander à la population de dire mettez vos problèmes à côté. Et bien évidemment, il y aura des problèmes financiers qui vont arriver. Il y aura l'inégalité sociale et scolaire. Mais comme l'État va être défaillant, ce qui va se passer, c'est que, encore une fois, ce seront les quartiers qui vont qui vont se mobiliser et qui vont venir aider la population à l'intérieur du quartier. Et on aura l'État et les médias qui vont venir féliciter en disant « c'est très bien ce que vous avez fait, bravo ». Et comme Fatima le disait tout à l'heure, vous servez à quelque chose, vous servez à nourrir ou à aider les quartiers. Mais en fait, c'est de dire que cette valorisation, elle n'est pas attendue de la part de l'État ou de la part des médias ou de la part d'une autre population. On n'attend pas ce qu'ils nous montrent du doigt en disant il faut le faire, ils l'ont déjà fait et ce mérite, ils ne le doivent qu'à eux, ils ne le doivent à personne d'autre. Et ça, c'est une solidarité que pour moi, on ne doit même pas débattre sur le fait qu'il y ait cette solidarité-là. Cette solidarité, elle a été faite, on doit débattre c'est pourquoi une telle solidarité doit être mise dans les quartiers et comment ça se fait qu'il y a une grande défaillance des quartiers pour qu'une solidarité soit mise entre ces personnes qui sont précaires. Mais heureusement qu'elles sont là. Si elles n'étaient pas là, aujourd'hui, si elles n'étaient pas là déjà, on ne serait pas en train d'en parler aujourd'hui en disant qu'est-ce qu'on en pense. En fait, on n'a même pas à dire ce qu'on en pense et si on le valide ou si on ne le valide pas, parce qu'on n'a pas à les valider. Ils seront déjà validés par rapport à leur action. Ils seront déjà validés par rapport aux populations, aux habitants qui sont à l'intérieur. Et en fait, la question, c'est de pointer du doigt l'État. Comment se fait-il que des solidarités et que des soutiens soient mis dans les quartiers? C'est comme la santé. Aujourd'hui, il y a une très grosse défaillance sur la santé. Et en fait, il faut, c'est les habitants qui s'aident entre eux ou les petits médecins traitants qui essaient de faire du mieux qu'ils peuvent. Mais aussi, là, il y a un gros problème. Donc oui, aujourd'hui, le confinement, on demande un protocole sanitaire important à respecter. Mais tout le protocole social, le protocole sécuritaire n'est pas respecté. Et les gens survivent grâce à toutes ces grandes personnes qui sont là en train de les aider. Mais moi, je ne veux surtout pas qu'on vienne les valider parce qu'en fait, vous êtes personne pour les valider et de dire c'est très bien ce que vous avez fait, bravo, on vous félicite. Et parce qu'ils n'ont pas attendu ça et je ne pense pas que c'est ce qu'ils demandent. Mais de pointer en tout cas le manque de travail de l'État. C'est comme pour l'éducation scolaire. Comment se fait-il qu'il y a des départements qui n'ont pas d'ordinateur et qu'il y a l'inégalité scolaire qui se fait et que ce sont des associations qui sont obligées d'aller chercher des ordinateurs et à droite et à gauche pour pouvoir les donner à certains élèves? La question, c'est où est le rôle de l'État? Pourquoi ça n'a pas été fait?
Merci à ça. Fatima, ouais, si tu veux toi aussi finir là-dessus sur la solidarité qu'il y a dans les quartiers et peut-être aussi sur la question du jour d'après, en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce qui peut être fait pour que les choses changent une fois pour toutes, si c'est possible, en fait. Le fameux jour d'après. Alors, sur la solidarité, oui, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Assa. Ça rejoint un peu cette idée que... Il n'y a pas que la question de la solidarité qu'on doit traiter, en tout cas pas de manière apolitique. C'est-à-dire qu'on a tendance à parler justement de cette solidarité dans les quartiers populaires comme de quelque chose qui ne serait pas politique parce que voilà, c'est simplement la bonne âme des uns et des autres. Et voilà, et ça, c'est plutôt reconnu. Effectivement, comme tu le dis à ça, heureusement qu'il y a de la solidarité dans les classes populaires, dans les quartiers populaires. C'est pas là depuis le confinement, en réalité. Il y a toujours eu plus de solidarité dans les quartiers populaires, dans les classes populaires, qu'ailleurs en France. Ça, c'est évident. Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours pu constater. Donc, cette solidarité, elle n'est pas nouvelle. Elle règle de manière très résiduelle les problèmes auxquels nous sommes confrontés. En fait, aujourd'hui, nous sommes en train de mourir quand même. Enfin, faut le dire, la solidarité ne suffit pas. Hier, j'étais dans un foyer Sonacotra. Il y a des locataires du foyer qui me disaient que ils étaient persuadé que dans certaines chambres, des chibanis, des vieux ouvriers à la retraite immigrés étaient morts parce qu'il y avait une odeur, une puanteur dans les couloirs qui faisait que... Et personne ne venait constater ça dans le foyer. Les services, parce qu'il n'y a pas que l'État Macron, attention, c'est l'État Macron, les foyers Sonacotra, ce n'est pas l'État Macron, il y a les collectivités territoriales, il y a les agglos, il y a tout ça aussi qu'il faut regarder. C'est toutes ces défaillances-là aussi qu'il faut regarder. Et ils disaient que personne ne faisait son travail, qu'ils étaient complètement laissé à l'abandon. Alors oui, il va y avoir de la solidarité qui va s'organiser, notamment alors à Bagnolet, il y a par exemple un collectif solidaire mais incroyable qui s'appelle le Brave, qui fait vraiment un travail, encore une fois, voilà, incroyable et qui fait plaisir et heureusement qu'il est là. Mais c'est vrai qu'il y a, voilà, la solidarité ne suffit pas. Dans le 93, on a moins, dans les quartiers populaires en général, on a moins accès aux soins, on a moins accès à une alimentation de bonne qualité, on a moins accès à un air respirable, etc., parce qu'il est plus pollué, etc. Moi, par exemple, j'habite face à l'échangeur. Bon, ben voilà, c'est pas la solidarité qui va faire que moi, mes enfants et moi, on va mieux respirer quand on sait en fait le lien qu'il peut y avoir entre pollution, alimentation, etc., et puis coronavirus. Bref, tout ça pour dire que voilà, la solidarité, elle est là, elle ne suffit pas. Moi, ce que je veux qu'on pose aussi là comme question, c'est la question du pouvoir qu'on n'a pas. Voilà, la question du pouvoir qu'on n'a pas. Et la question du pouvoir qu'on pourrait avoir. Donc, pour répondre à ta question sur le jour d'après, moi, il n'y a pas de jour d'après. Il y a le jour prochain, on va dire, mais dans la continuité dans la continuité d'aujourd'hui et dans la continuité d'hier, Assa Traoré avec le comité Adama se bat, n'a pas attendu le coronavirus pour se battre, ils se battent depuis des années. Moi, je fais partie d'une organisation, le Front de Mer, on se bat depuis des années maintenant. Bon, voilà, et on se bat et on avait déjà analysé ce qui n'allait pas. Alors, pour moi, il y a deux choses qui ne vont pas. Il y a la question de l'assignation à résidence. Le fait qu'on n'est pas chez nous en France, on n'est pas considéré comme étant chez nous en France, on ne nous laisse pas circuler librement dans l'espace public. Bon, là, on voit qu'avec le confinement aujourd'hui, ben, en fait, c'est la même question qui est aggravée, comme tu disais tout à l'heure, c'est exacerbé, mais c'est la même question. On ne peut pas circuler librement dans ce pays alors qu'on est chez nous ici, c'est nos terres, c'est notre territoire, et on ne peut pas circuler. Donc, c'est cette question du territoire qui est pour moi centrale et qui continue à être centrale et qui doit continuer à être centrale. Et la deuxième question, c'est la question du pouvoir. Du pouvoir qu'on n'a pas, qu'on nous a confisqué. On a zéro pouvoir. Quand on parle de solidarité, par exemple, dans les quartiers populaires, quand on parle, comme tu disais tout à l'heure, quand on reconnaît l'utilité des uns et des autres, etc., ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on n'a aucun pouvoir sur ce qui nous arrive, sur notre sort. Tu vois, je te disais tout à l'heure, moi, quand je voyais Macron à la télévision, etc., je me disais, mais c'est pas possible. Le sort de mes enfants ne peut pas être entre les mains de cet individu et de sa clique. C'est pas possible. Et si c'est possible, on n'a pas de pouvoir. On n'a pas de pouvoir de décision politique. Donc, quand on parle de solidarité, il faut parler de solidarité politique. Il faut aller plus loin que la simple solidarité apolitique. C'est-à-dire que c'est... Mais qu'est-ce qu'on fait pour s'organiser politiquement ensemble dans les quartiers et ne pas être dépendant et dépendante de ces gens-là, de cette classe dominante-là?
Donc, c'est-à-dire, quand je commençais par te dire, voilà, l'éducation nationale, moi, je peux faire des heures et des heures d'analyse des inégalités scolaires approfondies par les annonces de Jean-Michel Blanquer. Je pourrais te faire une thèse là-dessus, il n'y a pas de problème, je pourrais dénoncer ça, dans le détail. Mais ça m'intéresse de manière très secondaire, c'est-à-dire que ça, c'est dans la continuité. Maintenant, la question qu'on doit se poser, nous, c'est en quoi, aujourd'hui, on a une opportunité politique pour se réapproprier le pouvoir qu'on nous a confisqué, et on s'en rend compte encore plus aujourd'hui, je trouve, encore plus aujourd'hui qu'hier. On n'a pas de pouvoir, on a zéro. Donc, dans quelle mesure aujourd'hui, ce qui nous arrive, voilà, c'est une opportunité, c'est une occasion, du moins, de se réapproprier cette question du pouvoir politique et comment, à partir de là, on s'organise politiquement. Et là, voilà, on prolonge ce qu'on a fait. Donc, le comité Adama, la lutte qui mène, voilà, et la lutte que mènent les collectifs de lutte contre les violences policières, les collectifs de l'immigration, les collectifs des quartiers populaires, dans quelle mesure, voilà, on prolonge et dans quelle mesure ça doit nous conscientiser sur l'urgence de notre situation. Voilà, sur l'urgence de notre situation, on ne doit laisser personne nous gérer à notre place. Voilà, y compris dans les quartiers populaires. Ce n'est pas que l'État Macron, encore une fois. C'est y compris les élus du 93, par exemple, des quartiers populaires, y compris les entreprises. Là aussi, il y a du pouvoir. Les entreprises, etc., le fait que voilà, le marché du travail, le fait qu'on soit dépendant de ça, esclave de ça, etc. Donc, toute la question du pouvoir qu'on nous a confisqué, la question du pouvoir qu'on va pouvoir nous réapproprier parce que voilà, la lutte, l'organisation politique. Donc, pour moi, le jour d'après, c'est ça. C'est le prolongement en fait d'analyse et de lutte qu'on a déjà menée et qu'on va continuer à mener parce que voilà, il y a urgence absolue aujourd'hui pour nos enfants. Voilà, parce que voilà, là on le voit aujourd'hui avec le confinement à quel point voilà, c'est quand même l'enjeu central quoi. Je veux dire, c'est, tu vois à quel point en fait leur avenir c'est et là, c'est même au-delà de la politique, en fait. Il y a presque quelque chose de métaphysique là-dedans, en fait. C'est dans quelle mesure, oui, en fait, il peut y avoir une catastrophe comme on n'a pas idée en Occident. C'est-à-dire que je pense que ces réflexions-là, on les a évidemment beaucoup plus dans le Sud, mais que la mort peut frapper à la porte de nos enfants, en fait, aujourd'hui ou demain. Donc, dans quelle mesure on peut s'organiser politiquement pour faire que voilà, nos enfants puissent avoir un monde meilleur, quoi, où ils puissent circuler librement dans la rue, voilà, pouvoir étudier tranquillement, etc., etc. Un grand merci à toutes les deux.